lecture de ce texte qui est le plus fort, mais aussi le plus douloureux à lire. Si l'on y réfléchit bien, c'est un texte d'une violence inouïe que la passion du Seigneur. Ce qu'il a enduré pour nous tous est d'une violence inouïe. Il y a, on a vu même beaucoup de films représentant la passion du Sauveur. Il y a la passion, il y a l'évangile de Matthieu de Franco Zeffirelli qui est très beau. Mais je pense le plus réaliste, c'est la passion qu'on a pu voir de Mel Gibson il y a quelques années. Et je me souviens de l'avoir vu un jeudi saint. Il était sorti à dessein le mercredi saint. Et il y avait devant moi dans les sièges un pasteur qui était venu avec quelques paroissiens et il a dit en sortant « Que voulez-vous que je prêche après ça ? Je n'ai plus rien à dire. » Tant la violence de ce qui s'était passé était terrible. Et cette violence est d'autant plus dure et je pense que même pour le Seigneur, en tant que fils de Dieu, mais aussi en tant qu'humain, cela a dû être insupportable. On le voit bien, la veille de sa mort, il demande à Dieu, « Seigneur, Père, ôte ce calice de moi. » Il termine en disant, « Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il savait que son sacrifice devait s'accomplir. Ce sacrifice ultime qui, une fois pour toutes, allait anéantir tous les autres sacrifices. Depuis le sacrifice du Christ, l'être humain n'a plus à sacrifier quoi que ce soit à Dieu en offrande ou en holocauste pour apaiser la colère de Dieu. Dieu nous a donné son Fils unique. Il a daigné prendre notre chair humaine, notre vie de tous les jours. Il n'a pas fait que se faire homme. Il a vécu notre vie. Il a grandi avec Marie et Joseph. Aujourd'hui, le 19 mars, nous célébrons Saint-Joseph. Il a grandi, élevé par Joseph, dans la foi hébraïque. Il a été un enfant comme un autre, à jouer dans la cour avec ou dans les rues avec ses copains. Il a connu les passions, il a connu aussi l'amitié, l'amour. Quand le samedi, avant son entrée à Jérusalem, notre église le célèbre aussi le samedi, juste avant les rameaux, il apprend que son meilleur ami, Lazare, est mort, qu'il n'a pas pu être là pour le sauver. Marie-Madeleine lui dit, et Marthe aussi, « Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Et lui, dans un élan de pur amour pour son ami, il va au tombeau et lui dit « Lazare, lève-toi. » Et Lazare sort du tombeau. Nul doute que ce miracle est sans doute l'une des causes les plus probables de sa mort. En sauvant la vie de son meilleur ami, il s'était lui-même condamné à mort. Les grands prêtres ne pouvaient pas accepter cela. Un homme qui, depuis près de 3 ans, rassemble les foules dans tout Israël, se présente comme le Fils de Dieu, fait des miracles, des guérisons en son nom, déjà ça c'était insupportable. Mais si en plus il vient aux portes de la ville sainte et qu'il sauve, qu'il ressuscite les morts, là, pour le pouvoir établi, c'était hors de question d'accepter cela. En plus, il rentre dans Jérusalem. Il devait savoir ce qui allait se passer. Notre Seigneur était Dieu. Il est Dieu, il sait ce qui allait lui arriver. Quand il a demandé
aux apôtres d'aller chercher cette ânesse et son petit. Il entre dans Jérusalem et c'est un mouvement de foule. Une foule entière qui est là à l'accueillir. Nous l'avons chanté au début de la messe, les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier, des palmes. Ils mettent leur manteau sur le sol. Ils mettent des palmes par terre. Et tout le monde rentre en procession. S'ils suivent le Christ, ils l'acclament, ils chantent sa louange, comme nous l'avons fait au début de cette liturgie. Nous chantons la louange du Sauveur. Pour les grands prêtres, c'est inadmissible. Il va se faire roi si ça continue, si on le laisse faire. Ainsi, il va prendre le pouvoir. Ponce Pilate, durant la Passion, s'en lave les mains, mais ça l'arrange. Il sait très bien que si les grands prêtres vont à Rome et se plaignent en disant « Dis donc, votre consul, il est en train de laisser mûrir une rébellion. Bientôt, Israël, ils vont vous foutre dehors. » Pilate ne peut pas accepter cela. Mais lui, il est tellement lâche qu'il s'en lave les mains. Pendant longtemps, on a reproché au peuple hébreu la mort du Sauveur. Il devait mourir. Le Seigneur n'a rien fait pour l'empêcher. Vous remarquerez qu'à Judas, il lui a dit « Va et fais ce que tu as à faire ». Il aurait pu très bien lui attraper le bras en lui disant « Maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu restes assis ici et tu me fous la paix ». Judas, tout étant attiré par l'argent, aimait son maître. Il y a des très beaux livres qui expliquent que tout simplement Judas, ne voyant pas, était quelqu'un qui s'attendait à voir une révolution. Et Jésus n'allait pas assez vite pour lui. Et c'est dans un mouvement de déception qu'il a été livré, il s'est dit. De toute façon, je me suis fait avoir, entre guillemets, pendant 3 ans je l'ai suivi, et il en est où? Il n'y a rien qui avance. Peut-être, c'est peut-être une des idées pour lesquelles Judas a fait ça. Mais si Jésus lui avait dit « Maintenant ça suffit, stop », il n'y serait pas allé. Jésus l'a laissé faire, il lui a même dit d'y aller, parce que Jésus savait très bien que seule sa mort pourrait nous apporter à nous tous la vie. C'est vraiment quelque chose de puissant qui s'est passé cette nuit-là. Et les Hébreux, oui, ils sont responsables, mais contrairement à Pilate, on peut reconnaître un courage. Ils savaient qu'on leur reprocherait et que ça allait durer longtemps. La preuve, même encore après 2000 ans, je vous rappelle quand même que tous les vendredis saints ont pris, parmi toutes les oraisons pour qui on prie le vendredi saint, il y a de nombreuses intentions de prière, il y a une intention pour le peuple juif. Jusqu'il y a 40 ans, et dans le rite traditionnel romain, jusqu'il y a 4 ou 5 ans, que le pape Benoît XVI dit « ça suffit maintenant », on priait pour le peuple juif, ce peuple déicide, ce peuple qui avait tué Dieu. Et contrairement aux autres intentions où on se met à genoux à chaque prière, pour le peuple juif, on ne se mettait pas à genoux. Bon, quand même, on peut prier pour eux, mais pas trop, hein. Donc on leur a reproché quand même jusqu'à très récemment, alors que c'était le plan de Dieu. Le Seigneur aurait pu tout arrêter, il le dit lui-même. Il le dit à Pierre, « Ne crois-tu pas que si j'avais voulu, mon père m'aurait envoyé des légions d'anges pour anéantir cette armée ?» Il ne l'a pas fait. Tout cela a respecté un plan précis, déjà annoncé par les prophètes depuis des millénaires. Le Christ devait mourir. Nous avons célébré aujourd'hui ce retournement de situation. C'est pour cela que la liturgie gallicane pour la messe des rameaux est quelque chose de fort, puisque nous, l'évêque ou les prêtres, sont habillés en rouge, la couleur royale. Les rois, les empereurs mettaient du rouge. C'est pour cela que la table devant où il y a les rameaux, l'autel où il y a les rameaux, est ornée de rouge. L'évêque porte la mitre et la crosse. C'est un moment de fête. Puis, arrivé à l'autel, l'autel est noir, tendu de noir.
Et les célébrants revêtent les ornements noirs pour la messe, pour montrer ce retournement, même pas 8 jours, une foule acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et une semaine après, même pas, 5 jours après, ils criaient « À mort, crucifie-le !» Là, nous avons quelque chose aussi que nous pouvons réfléchir, c'est qu'une foule ne réfléchit pas. La foule ne pense pas. S'il y a un meneur, s'il y a des agitateurs, s'il y a des gens qui crient fort, ils font faire tout et n'importe quoi à une foule. Le peuple attendait peut-être aussi que le Christ, après son entrée triomphale, fasse une révolution, qu'il prenne tous les Romains, qu'il les jette, entre guillemets, qu'il les attrape par caleçon, qu'il les jette par la fenêtre. Non, le Christ était venu pour une révolution bien plus profonde, une révolution d'amour. Oui, il est le roi des rois. Oui, il est notre roi à tous et nous le vénérons comme tel. Et vendredi, quand nous ferons la procession avec la croix pour entrer dans l'église, cette même croix qui sera dévoilée solennellement en 3 étapes. À la fin, arrivée devant l'autel, nous élèverons la croix face aux gens. C'est le triomphe. La croix n'est pas la mort. Aujourd'hui, nous avons célébré l'entrée triomphale du Christ, mais nous annonçons déjà sa mort sur la croix. Jeudi soir, c'est le jeudi saint. Il n'y aura pas de messe ici, mais je ferai la messe en privé, et la communauté de Zurich la fera dans sa chapelle. La messe du jeudi, c'est la fête de l'Eucharistie. On va célébrer ce jour où le Seigneur nous a donné son sacrement le plus beau, l'Eucharistie. Ce sacrifice ultime pour nous sauver. C'est le seul sacrifice qui nous est encore autorisé dans l'Église d'offrir le pain et le vin sur l'autel à Dieu. Mais cette cérémonie de joie sera déjà empreinte de la tristesse du lendemain, puisque le sacrifice de l'Eucharistie n'est valable que parce que le Seigneur a laissé son sang sur la croix. Mais le vendredi, en portant la croix 3 fois dans l'Église, et en l'élevant vers le ciel, nous chanterons la louange de celui qui est mort sur la croix, mais nous anticiperons aussi déjà sa résurrection, puisque le lendemain, dans la nuit de Pâques, après avoir allumé un feu dans l'entrée de l'église, nous rentrerons 3 fois en élevant le cierge pascal. Dans l'église, noire, sans aucune lumière, cette petite flamme va brûler, va nous éclairer, et elle nous montrera le chemin à suivre vers Dieu. Car le Christ n'est pas mort pour rien. Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. La mort du Sauveur sur la croix. Et n'est faite que pour nous montrer la route vers Dieu. Cette mort est faite pour nous montrer la lumière. Nous entrons dans une semaine de tristesse et de ténèbres. La semaine sainte est forte et puissante. Il y a souvent aussi beaucoup de travail intérieur qui se fait durant cette semaine. Mais cette semaine est faite pour nous conduire à une seule chose, la résurrection. Le Sauveur est ressuscité des morts. La lumière jaillira du tombeau. Et oui, celui que nous avons chanté au début de cette Eucharistie, nous pourrons le chanter comme le roi triomphant de la mort, le Sauveur mort sur la croix, ressuscitera. Il est ressuscité il y a 2000 ans pour nous apporter la vie, cette vie et cette lumière qui doit brûler en nous. Pensons durant cette semaine, vivons avec le Christ, n'ayons pas peur de vivre durant cette semaine avec le Christ, les souffrances et les douleurs qu'il a vécues, pour nous, pour que nous aussi, dans la nuit de Pâques, nous puissions ressusciter, nous puissions retrouver cette vie et cette lumière que le Sauveur nous a promis par son sacrifice. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.